الأدوار، لأنهم حابين يخيروا سبيسياليتي الشيمي، ولأنهم حابين يروحوا يكملوا الماستر تاعهم ويخيروا سبيسياليتي اللي عجبتهم، راح يعرفوا بزاف السبيسياليتي اللي كاينين واش يخيرهم بربايتهم. الوغ كلوب أوزون أورغانيزي معاكم هذا الإيفينمون بعد السنة إن شاء الله. نو بريزونت خدينا ماجي شوية إتيديو أون أل تروا شيمي أريج تسبيع يهدرون كلوب أوزون. ما راحش نطول معاكم إن شاء الله، نخليكم برك تتعرفوا شوية على كلوب أوزون مع البريزيدون دو كلوب مهدي بن العيش. ألور مهدي تقدر تبدأ إن شاء الله. Donc, مرحبا بكم مع le club Ozone. Je suis Mahdi Ben Belech, président du club Ozone. Vous m'entendez? Très bien. D'accord, très bien, Mana. Donc, le club Ozone, comme vous le savez, ou peut-être qu'il y a un peu de le club Ozone. Le club Ozone, c'est un club scientifique de chimie, basé à l'USTHB. Donc, le club Tana, d'ailleurs, l'USTHB, la faculté de chimie, voilà, à l'USTHB. Donc, le club Tana, il regroupe des étudiants de tous les niveaux et de tous les cycles. Donc, le cycle licence, le cycle master, le cycle doctorat, Adna, des étudiants de partout et surtout de toutes les spécialités. On ne se limite pas, par exemple, que les étudiants de chimie, Adna, des étudiants de biologie, Adna, des étudiants de physique, de génie des procédés, Adna, même des étudiants d'informatique et d'électronique. Donc voilà. Le club Ozone, bon, le but, c'est quoi le but du club? Le but du club, c'est dynamiser la vie à les étudiants. Là, il faut oublier la vie à les étudiants, elle est surtout qu'ils entrent en première année la première fois. Maintenant, il faut une université, c'est un nouveau monde pour nous. Donc, le club scientifique est around comme pour développer des liens, des contacts, voilà, des gens qui sont, je sais pas, qui pourront peut-être devenir vos amis plus tard, des collègues, pourquoi pas. Ou le club Tana, bon, les activités du club, comme vous pouvez le voir, le flyer que je partage maintenant, Adna a plein d'activités. Adna, donc, premièrement, on a des projets. Des projets qui sont, pour la grande majorité, c'est des projets bio. Bio, c'est-à-dire à base de produits naturels. Donc, Adna, par exemple, le bioplastique. Le bioplastique à base d'amidon, de pommes de terre. Adna, par exemple, le recyclage des huiles de friture en savon, liquide et solide. Adna, différents projets. Adna aussi une boîte cosmétique, une boîte pharmaceutique et plein d'autres projets. Adna tani d'autres projets, c'est l'organisation de conférences, de formations et de workshops. Parmi les formations qu'on a faites, on a plein de formations, surtout PFE. Le PFE, c'était une conférence et une formation d'Adna en mars. Et le but d'Adna, c'était aider les étudiants de Master 2 à préparer leur projet de fin d'études ou leur soutenance surtout. L'album, la mise en page, comment parler, comment. Où on a été aidé avec des professeurs, Madame Amara ou Monsieur Hamoudi. Ou on a une autre formation d'Anna récemment en ligne, je ne sais pas, Ida, vous avez assisté, c'était les BPL, les bonnes pratiques en laboratoire, avec notre adhérente en Master 2. On a tenu des expositions de stand. Les expositions, en général, on est invité à des écoles pour représenter la chimie ou la vulgariser les autres étudiants. Par exemple, à l'école polytechnique, à l'école d'informatique, à l'école d'agronomie. De temps en temps, ils organisent des événements et des compétitions. Ils invitent des clubs fermes de partout où on expose ce qu'on fait. On a gagné aussi plusieurs premiers prix. L'AMLIFAT Celebra Science, Tech It Up, Breaking Science. Il y a plein d'événements qui sont très intéressants. On a aussi des sorties pédagogiques des complexes industriels, le monde professionnel. On a par exemple, en janvier plutôt, on a le Naftal, où on a comment ils font le raffinage des produits. On a un écolaïtal, le lait ou les produits laitiers en général, ou quelques d'autres entreprises très intéressantes. Où on participe à des initiatives à but caritatif en faveur d'enfants malades et d'orphelins. À demain, on a par exemple un hôpital où on organise une journée où on fait offrir à des enfants. On fait des cadeaux, on fait une exposition amusante, on fait la magie de la chimie, on fait d'un autre œil, vraiment.
Parfois, on organise un événement à l'USDRGB, qui m'a aidé, je sais pas, il m'a tout l'événement, un événement très fort en mars, c'était le Spooky Lab. Le Spooky Lab, il a présenté la chimie d'une façon différente. Sous un œil horreur, sous un œil vraiment un autre œil. Par exemple, la momification, les drogues, plein de choses différentes. C'était à la faculté de chimie en mars. Ou sinon, il n'y a pas longtemps, je pense début mai, on a commencé à faire des podcasts sur des sujets différents et des sujets insolites. Par exemple, on a des podcasts à l'aide. On a parlé de tout ce qui est, de tout ce qu'on fait à l'aide, en fait. Ça, chimiquement. C'est vraiment très intéressant. Je vous invite à les écouter et à les partager avec vos amis et vos connaissances. Mais le Club aux Indes, c'est pas que ça. On a à la faculté de chimie, on a notre local. Notre local, il est équipé de paillasses. On a du matériel, de la verre et du matériel chimique. Donc, on permet aux étudiants de réaliser un projet. Vous avez un projet en tête, n'importe quel projet. On vous permet d'essayer, où vous serez libre, un peu libre. Bien sûr, on respecte les consignes de sécurité, tablier, gants, masque et lunettes si nécessaire. Mais ça, vous serez libre, vraiment. Avec une fiche technique, évidemment. Parce que la chimie, c'est précis. Ou le club ozone aussi, c'est vraiment, je sais pas comment dire, c'est un espace d'échange, vraiment. On organise faire des bulles de discussion, des débats entre nous. À cas vous apprenez à développer un esprit critique où ça vous permet d'amener une bonne préparation à la vie de chercheur. Vous aurez une idée vraiment à la, c'est quoi un laboratoire? C'est pas comme FLETP. Vous verrez que FLETP, vous êtes vraiment limité. Où les profs, Yasso, comme vraiment. Que selon une verrie, vous la payez. D'ailleurs, on vous laisse libre, vraiment, chez nous. Voilà, en gros, le club ozone, c'est ça. Où je vous invite vraiment à vous renseigner. Mais qu'est-ce que le club ozone à l'USDHB, qui a plusieurs clubs très intéressants, qui a une CELAC, le domaine de l'électronique, il y a plein de... Vraiment, Anna, je vous invite à vous renseigner ou à rejoindre un club, c'est un domaine les tabous, vraiment. Ça va vous permettre de vous développer personnellement ou c'est une expérience très enrichissante. Maintenant, de Mouchalère. Où on a très bientôt un événement très intéressant. Bon, je ne sais pas si je peux dire le thème, je crois qu'il a été publié, donc je peux dire. C'est les études à l'étranger. Donc, je vous invite à rester branché ou pour le lien d'inscription qui sera publié très bientôt. When vous aurez une idée à la procédure pour aller à l'étranger et au mode de vie à l'étranger. Donc, globalement, c'est ça. Où je vous souhaite un très bon Orientation Week avec nos présentateurs. Où je laisse la parole à Imad. Merci, on a jusqu'à des questions posées. Oui, bien sûr. Oui. Amina, Jebda, comment s'inscrire le club? Donc, Naya, bon, cette année, on a trois sessions d'inscription. On a en novembre, on a en janvier et on a une dernière en mars, juste avant le confinement. Donc, il n'y a pas de conditions pour s'inscrire. Si vous aimez la chimie ou vous voulez vous investir vraiment, il n'y a vraiment pas de conditions. Ça sera organisé parce qu'on organise des sessions d'inscription. Donc, bientôt, Inch'Allah, en septembre, Inch'Allah, ou en octobre, on organisera une session où on va publier sur nos réseaux sociaux. Donc suivez-nous beaucoup, vous aurez toutes les informations. Une autre question, est-ce que vous aidez les étudiants pour trouver ou faire les stages et tout? Bon, les stages, c'est. Bon, là, on ne s'occupe pas des stages. Là, en tant que club scientifique, on ne s'occupe pas des stages. Nous déroulons des sorties pédagogiques pour nos adhérents. Donc, nous déroulons des entreprises dans tous les domaines. Les stages, c'est différent de faculté en faculté. Parce que les stages sont conventionnés à l'université. Là, par exemple, à la faculté de chimie, pour faire un stage, on écrit une demande de stage. Bada, on a dit que la demande, nous allons à l'entreprise qui a déroulé un stage. Ils vont cacher et signer à la demande. Indique la demande, le responsable des stages à la faculté, il va cacher à Léa et il va vous faire une convention de stage. Indique la convention de stage, vous la prenez l'entreprise
Et vous commencez votre stage. Voilà. Merci, Nadé. Andak, une autre question. Quand est-ce que l'adhérent de la machine de stage est-ce que l'adhérent est-ce que l'adhérent Masmach, mais là, la question. Et là, il y a un homme hors Oui. de stage B, il y a un membre de l'adhérent. Malheureusement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas maintenant. L'administration, enfin, l'USTHB, veut que ce soit que des étudiants de l'USTHB. OK, and l'akhar, sur l'akhar, il y a qui va dire le stage, où je normal les procédures à suivre. Donc, les stages, bon, j'ai donc un la procédure. Comme la procédure, elle diffère de faculté en faculté. La faculté de chimie, c'est demande de stage, on dit l'entreprise. On écrit la demande de stage, on dit l'entreprise, et on a le cas chez Aléa, ici, on a la faculté. Le responsable des stages, il va signer avec la demande de la cachetée, où il va vous faire une convention de stage. C'est un autre papier, mais chez la demande. Une convention de stage. Les addicts audit devoir l'entreprise pour pouvoir commencer votre stage. Ok. Merci, Nadé. On a une question. La différence entre gyné procédé et gyné initié. Donc, oui, voilà, je pense que Zineb va y répondre. Oui, Inch'Allah. Alors, normalement, Ada World Club, on a appelé le soutien. Pour la présentation du chimie en général, je vais vous parler de Zineb Wanam, étudiant en M2 chimie matériaux. Tu peux regarder le screen tag. Oui, oui, d'accord, je suis là. I am here. Est-ce que okay. Vous voyez mon par rapport à la couture ou qu'on a une belle couche à couture? Mais nous avons maintenant tu parles que on a les petits tags de montage. Mais ça quand il est en train de se présenter, voilà, il est en train de présenter. Kaina dit Kaina. Alors déjà, qui m'a gagné dans le Mahdi, je peux répondre à la question, Bidman, je ne perds pas du temps. Quand Amina a posé la question par rapport à L1. Très bien. L1, mais qu'on a une faculté, qu'on a une rectorat. Donc, tout se passe au rectorat. Tout se passe le thème. Donc, si tu cherches un stage en étant en L1, tu as le rectorat, c'est le thème, et de même signer avec la demande dialogue. D'accord? Très bien. Il peut ajouter quelque chose qui est comme Mahdi dans d'autres facultés. On a comme un exemple dans une autre faculté. Par exemple, dans une autre faculté, tu as déjà la demande de Wajda, tu as le nom de ta com. Tu as spécialité, Non, la faculté de Tana, non. C'est nous qui rédigeons la demande de Tana. Est-ce que la présentation est bonne? Hello? Ok, très bien. Alors déjà, je suis Zineb, si vous voulez me taguer, ou là, je ne sais pas, ça ne se passe pas comme ça. Mais bon, vous allez maintenant me poser des questions à moi, ou là, aux autres adhérents. Je suis déjà ma vie maintenant, je suis étudiante en chimie et en des matériaux. Je vais vous dire aussi, je vais vous dire en suspense, et oui, j'étais en ST, donc j'étais STiste. Je suis adhérente aussi au Club Ozone. Très bien, on va passer directement à la chimie générale. À la balle biblique, d'après les informations lignes tout au long, c'est que la plupart d'entre vous sont en L2 et en L3. L3, ça fait plaisir déjà. Et en L1 aussi. Hadia, principalement, c'est fait pour les L1. J'ai préféré présenter la chimie, non pas générale, mais la chimie en général. Donc, les rahistes fadunara, c'est les L1, c'est les L2, c'est les L3, c'est les M1 et les M2, toutes personnes intéressées par la chimie. Donc, yallah nabdaw. Donc, déjà, je vais vous dire la chimie en général, je vais vous dire. Est-ce que vous avez dit oui, très bien. Très bien. Alors, je suis dans la diapo 3, normalement, qui est la chimie ou la chimie.
À côté de Maïf Diabou ? Oui. Bien. Alors, la chimie, Tata, c'est quoi ? Je me pose la question et je me dis, la chimie, c'est quoi ? Waouh ! Et non, qu'il m'a dit la chimie générale ou la une spécialité quelconque, je me dis, elle, qu'il m'a dit, c'est quoi en vérité ? Elle m'a dit que la chimie, c'est une science, n'est-ce pas ? Alors, elle, la science, elle s'intéresse à quoi ? Tout simplement, elle s'intéresse à la matière. La matière, c'est quoi ? Elle met dedans. Normalement, ça ne va pas. Donc, si elle s'intéresse à la matière, où je ne crois pas. Let's go. On est diapo 4. Donc, elle met dedans, je vais découvrir, je vais étudier. Parce que comme il y a il y a science. Elle étudie aujourd'hui la composition. Quand on parle de composition, on parle aussi des propriétés. On parle de la forme. On parle de transformation. On parle des changements. On parle aussi d'interaction, de réaction, d'énergie aussi, etc., etc. Nous, quand on pense à quelqu'un, une parole, quelqu'un, une parole, deux, trois, quatre, cinq, six, non, une parole, c'est la parole. Alors ça. Ça veut tout dire. Mais ce n'est pas aussi facile que ça. C'est loin d'être aussi facile que ça. Et si on pousse à la matière de cette moyenne, on va la composition de ça. On va savoir les éléments chimiques qui composent la matière d'elle, on va savoir les propriétés de ça, n'est-ce pas ? À ce moment-là, les compositions vont me définir les propriétés. À ce moment-là, je peux définir aussi la forme. Donc, la forme, peut-être qu'elle a la propriété, ou les deux, peut-être qu'elle a la composition. Alif Amnaha. Transformation, kif-kif. Peut-être qu'elle a la composition. Handy, la matière, elle est composée de tel élément X, Y, Z. Ou si on peut donner des exemples concrets, Handy, un tel élément, il est composé d'aluminium. Un tel élément, une telle matière, elle est composée d'aluminium. Une autre, de fer. N'arrive la température, on va dire, de fusion. Ou là, n'arrive les transformations. À quelle température, à l'échelle qui fèche. Ou changement à l'âge, ou les interactions parce qu'aide l'élément et non pas l'autre. N'arrive des réactions aussi parce que toujours aide l'élément et non pas un autre. Donc, principalement, ça, j'étudie la propriété, les formes, transformations, changements et tout. Mais ça, ce n'est rien d'autre qu'une science qui se base sur l'étude de la composition. Et non, طريق الاكتشاف على مادة معينة ولكن نعرف au profondeur l'élément نحوس على درات معينة اللي هما des éléments chimiques. Très bien. Normalement, on a terminé avec ça. S'il y a des interventions, là, des commentaires, il m'a trop lié pour que je puisse avancer aussi. Est-ce qu'il y a juste Yassine qui a des commentaires juste pour expliquer la chimie, le mot chimie. Un âme, ma smatch, Ayman. Il y a un commentaire, Yassine, qui dit d'expliquer le mot chimie, que c'était le mot chimie, mais par rapport au diapora, très bien. Sincèrement, je ne sais bien, mais smatch chimie. Donc, il y a habitué à dire qu'est-ce que ça veut dire chimie. Chimie, me dit من الخيمياء. Donc, qui m'a dit comme قبل, je vous invite à écouter le podcast Histoire de la chimie qui fait بدات السحر والشعوذة حتى لحقت العلم لانه لا شيمي حكايتها كبيره وعريضه جداتها يقول لك لونسيتر تاعها هي الخيمياء داكور هي الخيمياء ولكن تحولت الى كيمياء علاش جلست على مراحل معينه اذا قادرين تفهموني هكا بكري. J'ajoute juste à dire où je passe à la suite. Bekri, quand qui m'a dit comme le sihr ou le chaouda, quand علاش ماشي كيف كيف. Moi il قالها جدتها mais il قالك aussi ماشي كيف كيف. علاش ماشي كيف كيف. Tout simplement parce que le هدف تاعهم ماشي كيف كيف. L'objectif des deux, ce n'est pas la même chose. Il a la belle comme les الخيمياء, quand le هدف تاعهم ils élaborent, كيفاش يقولوا يركبوا ولا يصنعوا حجر يعني تاع لي مورتاليتي داكور كونتريرمون ا لا شيمي هي ليتود اي تو. دونك جو فوز انفيت سانسيرمون ا ايكوتي هاد لو بودكاست عرفوا منين جات الشيمي قلت لكم لا شيمي كيفاش لحقت حتى لا شيمي من حكايتها من الاول يعني من الخيمياء. ليتس جو نعاود نولو لي قلنا لا شيمي سي كوا. فهمت بلي سي اون سيونس كي ايتيدي مات داكور. Donc la matière, عرفتها de les compositions, de la composition de ça, les transformations et tout. Donc pour simplifier, le but de la chimie c'est quoi ? C'est étudier, expliquer,
afin de comprendre. D'accord. J'étudie, ندرس حاجة معينة اللي نقدر نشرحها باش نفهمها. أنا كي قريت هذه المادة المعينة مركبة واش نقدر نشرحها لشخص آخر ونقول له يا ودي فوالا 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 ولا هذه المادة واش تقدر دير لي. ومن بعد هو يفهمها. À ce moment-là quand je comprends, je peux devenir un quelqu'un de créatif. Je comprends donc je vais l'utiliser. كي عرفوا بلي الألومنيوم température élevée, c'est un peu lourd, j'ai retourné au lit de l'eau derrière le four. Je déconseille parce que un de mes microparticules joue sur la matière thermique, mais quand même, un de température élevée. Car il faut que les polymères, ils ont certaines propriétés de vibration, des rooms, les écrans tactiles, les smartphones internes, ce qui fait que Anaya, qui est les polymères, ainsi de son électro. Si tout ça me sincèrement, en tous les cas, je avec la vibration et tu as téléphone comme donc c'est des polymères qui a faux que le silicium c'est le meilleur semi-conducteur à l'aide bon, de ma table. Je veux pas trop rentrer dans les détails, juste pour vous donner des exemples. Qui a faux que le silicium c'est un bon semi-conducteur, c'est un meilleur les microprocesseurs, d'accord. Machine à tout à l'heure, les microprocesseurs, bon, les PC et tout. Donc, j'élabore un microprocesseur, j'ai besoin du silicium, moi, silicium, j'ai beau. Marmel, quand j'ai su le carmel qui est une matière, il n'est rien d'autre composé que SiO2. Alors, j'extrais du silicium marmel, à ma dérègeant de l'élaboration d'un chimiste aussi, même un microprocesseur, un informaticien, n'importe quelle personne qui est mahna d'oka. Très bien. Alors, j'étudie, j'explique afin de comprendre pour que je puisse à la fin élaborer quelque chose de. Je vais donner un exemple. Je vais vous donner Oui, Zainab, moi aussi, avec Mir. Est-ce que tu as continué à faire? Zainab, il y a un souci avec ton micro. Oui, dans la connexion, à Tahaouna. Alors, donc là, on peut dire, voilà, juste connexion de craft. Problème de connexion, c'est de l'Algérie. Pour les questions, tu as fait un petit peu de commentaires, une barre, Inch'Allah. Après les présentations, Ahti et Balim, de Wahed. Moi, alors, entre-temps que Mademoiselle Rouel me revient, je veux répondre à Hadi Soraya Mahni qui dit qu'elle est en L3 et qu'elle a fait encore aucun stage. Donc, ça ne pose aucun problème. Les stages, c'est considéré comme une expérience en plus pour les étudiants. Ce n'est pas une nécessité, mais c'est bien d'en faire. D'accord. Et c'est pas une obligation d'aller les stages qu'on met le master. Vous pouvez faire vos stages en licence ou là en master, ça vous regarde. Ou là après graduation, TENIT. D'accord? Hello. Bah, elle est revenue. Pour le limite, c'est parce que je ne me suis pas rendu compte qu'on est plein écran, alors que. Diapo 4. Non, la phrase exactement. Pour... C'était la partie sur le silicium, transformation, semi-conducteur, etc. Ah d'accord, alors c'est un exemple plus intéressant, mais bon, allez, je suis tout au cas. Alors, je n'arrive pas à plein écran. Très bien. Bref, est-ce que j'avais dit, est-ce qu'il y a des questions là pour que je puisse avancer ou pas? Est-ce qu'il y a des questions, Iman? Non. Alors, j'étudie pour expliquer afin de comprendre. À ce moment-là, quand je comprends quelque chose, je peux élaborer quelque chose, peu importe qui dira. نقدر نعرف على حسب انا واش حبيت. قلت لكم اذا كان عندي ايكوتور انا في يدي بون انا دوكا جبتو مع راسي دوكا. اذا كان عندي ايكوتور باغ اكزومبل تاع تليفون اللي يزلق لي ولا
يعرق لي في دي سك جو بو دير اسمو ولا نقدر جيلابور جو سانتيتيز ولا جو سيرش اون اوتر ماتيير تي بلو لا 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 السطح تاعها يكون بالك خشين اكثر ولا بريف سي دي زيكزامبل يونا با يعني 36 000 exemples, mettez-vous là. Très bien. Alors, s'il n'y a pas de souci, je passe. J'essaye de vous donner le plus. Donc, très bien. Je vais répondre à ça. Très bien. Alors, chimie générale, chimie fondamentale. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Fondamentale, c'est la base. D'accord? Chimie générale, c'est la fondamentale. Je vais répondre aux questions. Ils ont été posés au début. Elle a licence chimie fondamentale. Blida, par exemple, elle a licence spécialité. Dans le sens, oui, en L2, il y a la spécialité. En L2, L3, elle a une licence en chimie analytique ou la licence en chimie organique. Ça dépend de l'université, d'accord. Donc, l'université de Babzouar, faculté de chimie, elle a licence en chimie fondamentale. Parlons des moyennes, parce que c'est tout bizarre les moyennes. Déjà, c'est quoi une licence? Une licence, c'est tout simplement un diplôme national. Maintenant, on a un bac, on trouve une certaine spécialité, donc il y a trié, soit SM, soit ST. Après, on a l'université, donc j'aurai une licence, peu importe la spécialité. J'adore la chimie. Alors, on a un système LMD, licence, tu l'auras après bac plus 3. Donc, à la moyenne. La moyenne pour faire chimie. C'est donné la moyenne pour faire chimie. Je vais vous répondre, mais qu'elle. Elle est pour faire SM, normalement, comme je suis université, donc à la belle, comme c'est donc le moyen, tu as le bac. Après, la moyenne, tu as, mais L2. Ça dépend. Donc, on prend le collège, ça dépend. Ce n'est pas une moyenne, c'est relatif à la section. C'est par rapport à la section, les trafiques. Donc, en ayant une certaine section, les fiha miyat mbenadem, et donc miyat mbenadem, je suis classée 15e. D'accord? Je suis la 15e. Les 14 personnes, qabli, 0 personnes dans la chimie. Je serai la première, ni nitda, ni donif chimie. Contrairement, donc, 10 personnes l'oulin deru chimie, et non, ma tsahli chimie. C'est relatif à la section TAC. Après, une fois qu'il compte première année, il compte qu'il y a un certain nombre de sections. Chaque section ne dit 5 personnes. Donc, il y a chaque section ne dit 5 personnes. Il y a 5 personnes les premières à faire la chimie. Il y a les 5 personnes qui ont fait la chimie. Tu as fait la chimie. Donc, ça n'a rien à voir avec la moyenne. Oui, il collecte Bellic à partir de 11 litres de chimie, mais c'est relatif à la section ou les majors de promoteurs, comme ou leur choix aussi. Est-ce que c'est d'accord? Est-ce que ça me tourne? Ahmed? Oui, très bien. Juste les commentaires. Est-ce que c'est un moment où on va Très bien. Très bien. Ah, très bien. J'espère que très bien. Alors, c'est relatif à la section. C'est relatif aux majorons et aux majorons aussi. D'accord. Dans le cadre de la section 13, bon, on va dire 15 ou mettre dans la chimie, parce que le majorant est 17, après 16, hein, par exemple, section 11 ou là, on va dire 12. Parce que je sais que chimie, donc on comme Alèche par rapport à ST qui se pose le souci. Alèche, ST, ça dépend. Il faut y aller des fois là. كاين في وقت غلقوها ما فتحوها سا ديبون لو نومبر ديتيديون لي كون في الاس ام داكور دونك انا اذا نقرا اس ام باين سوا حندير فيزيك سوا جيو فيزيك سوا شيمي دونك اذا كاين اس دو بلاس فاكولتي تاع الشيمي باش تزيد تجيب لي ديتيديون وي كابابل انت تقرا اس تي يقبلوك دونك عام بعام جو بو با تو دير سي بوسيبل جو بو با تو دير سي با بوسيبل فهمتوني اسك هادي مفهومه ثاني أيمن؟ وين تربيع؟ نزما كانوا حنكم وين تربيع؟ تقدري تكملي؟ تربيع. Alors très bien, Rani. Donc, j'ai décidé de faire une licence en chimie fondamentale. Maintenant, je vais passer maintenant à une certaine spécialité. Les Rani, pendant 2 ans, parce que qui est L2, je vais être en première année chimie, d'accord?
Donc, je suis en L2 et je suis en première année chimie. J'ai certains modules, je ne vais pas m'étaler bzaf hadd les modules, je préfère la suite, aller les modules, sincèrement. Alors, en L2, j'ai certains modules, les hanqraha en fil S1 et fil S2, S3 et S4. Très bien. Alors, fil S1, déjà, je commence à les modules. Une toile en chimie minérale, par exemple, je me rappelle qu'on a un tableau périodique. Bon, qui est le tableau périodique, vous n'êtes pas obligé d'apprendre le tableau périodique. Le module, ce n'est pas pour apprendre, il y a par cœur, mais non, exactement, dans le fluorbe, il est le plus électronégatif, le numéro atomique, c'est le Z, le A, c'est quoi, configuration électronique. Je roule, c'est ça la chimie fondamentale, la chimie générale, c'est la base, la chimie organique, c'est au début la nomenclature, on va dire les effets électroniques, parce que le S2 et le S3, on a les mécanismes réactionnels qui s'apprennent par la suite, c'est le master spécialité, les analyses numériques, c'est surtout pour les théoriciens et tous les chimistes qui travaillent avec des logiciels, parce que oui, les chimistes aussi travaillent avec des logiciels, il y a mathématiques, Yujduna pour la thermodynamique, tout ce qui suit, il y a vibrations ondes optiques, c'est par rapport pour comprendre le concept d'après de degré de liberté. Après, là des théories relatives au module. Est-ce qu'il n'y a pas de souci, Imad? Donc, Imad? Oui, t'as pas de. Alors, kiff, chimie analytique, la solution, tout ce qui est indicateur coloré, tout ce qui suit. Donc, il me dit que la base, c'est la base, l'organique, c'est la suite, la quantique, il y a le mec, qu'est-ce que ça veut dire, équation de Schrödinger, et tout ce qui suit. Donc, c'est magnifique. Alors, inorganique, c'est un peu loin de l'organique. Donc, si on peut définir autrement organique et inorganique, alors organique, c'est la chimie du carbone, contrairement à l'inorganique, c'est un peu loin du carbone. C'est ça. Il y a un peu CA, c'est tout ce qui est découverte. Il y a une vision, il y a un peu CA découverte. Hein. Il y a un peu CA avec une vision sur infrarouge, extraction, si je peux dire, infusion, c'est quoi, décoction, c'est quoi. D'ailleurs, le demande, ce que ça veut dire une infusion. Une décoction, c'est différent. Infusion et décoction, c'est différent. Alors, si je peux me permettre d'expliquer ça, la décoction qui est en train de se faire, en même temps, il y a un peu de temps, il y a un peu. Contrairement à l'infusion, Très bien. Alors, ça va vous permettre de faire cette méthode au lieu de découvrir carrément des méthodes d'extraction et tout. Alors, la thermodynamique, kiff, parce qu'après, vous aurez besoin de la thermodynamique sur chaque spécialité après le master, la thermodynamique. TP aussi, travaux pratiques et anglais, bien sûr. Passons en L3. La même chose, c'est la suite telle. Je prends là tel L2. C'est une continuité. Comme certains modules, les hydroxymes polymères. Polymères, il y a le mec qui dit au fait, il y a des grosses molécules qui m'ont fait un amidon. Il y a des chefs de science. Mais je ne me rappelle pas, il y a les cosmos polymères. D'accord? Donc, c'est ça. Avec la cristallographie aussi. Donc, tout ça, vous aurez besoin de cinétique et catalyse. Cinétique, c'est très intéressant. Surtout après, bon, cristallographie, c'est intéressant pour les cumulomatériaux, pour les cumulons, tout ce qui est chimie des médicaments. Il permet exactement la réaction d'oxydoréduction, acide, base, analytique. Donc, c'est des bases. Elle dit chimie fondamentale. Est-ce qu'il y a des soucis? Ben, je passe. Je passe à quelque chose de plus intéressant. Des fois, bien, quand tu te comptes, il y a un fantôme de la oui. Alors ça ce qui m'intéresse dans la guerre du PPT, ça ce qui m'intéresse, la qualité d'un chimiste. Alors, pardon, un chimiste, il est spécialisé dans la chimie. Le rôle d'Yalo, qui c'est une science qui étudie la matière, donc le chimiste, la personne qui étudie la matière. Donc, au moins, qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient des problèmes et proposent des solutions. Qu'est-ce qu'ils font, les chimistes?
Oui, je suis en train de voir les commentaires et tout ça. Ça parle de la sélection des étudiants en chimie ou là en GP et tout ça. Juste pour être clair, toutes ces conditions sont relatives à l'administration. C'est l'administration qui décide. Donc, s'ils prennent des gens, les dans le rattrapage ou là des gens à partir d'une certaine moyenne ou là, on ne sait pas. C'est des choses relatives à l'administration et c'est par rapport au classement. Plus on est bien classé, plus on aura le droit d'avoir ce qu'on veut. D'accord? Et oui, il y a une personne qui a demandé les spécialités Likainin, la licence à l'ISTHB, Kayen, licence chimie fondamentale. C'est-à-dire, on se prépare, on a un programme qui nous prépare pour une meilleure sélection quant au master qu'on va faire. La spécialité Abab Zouwal commence à partir du master. Donc, L2 et L3, vous prenez tous les bagages nécessaires pour être un chimiste polyvalent, travailler dans plusieurs secteurs pour ensuite faire un meilleur choix quand vous êtes en master. D'accord? C'est bon? J'ai un souci avec le modem, ah oui, il fallait donc pardon, je sais pas où je suis. Bref, non, c'est juste le début de les qualités autant que chimiste et tout ça. Alors, merci Léna, tu as donné un point très important là. J'aime bien ce que tu as dit. Très bien. Alors, comme un chimiste, c'est celui qui est responsable d'étudier de la matière pour trouver quelque chose qui est peut-être un problème et proposer par la suite des solutions. Comme les amis créatifs et innovants, mais les amis qui sont quelque chose qui évolue. Les amis sont curieux. Comme c'est pas la peine de se faire le TP ou le TP pour chercher ce que ça veut dire. Au contraire, on a le bagage terrible, il y a la licence terrible, il y a en L2, en L1 déjà. On a ce que ça veut dire un atome, on a les liaisons chimiques, on a l'intermochimie. Donc, je peux comprendre à ce moment-là, je sais pas, elle est exactement le maïrali à 100 degrés ou 100 degrés, terre légalement, juste là, la température, la casserole derrière ou là, peu importe. Donc, déjà, je commence à comprendre déjà qui est la nifta. Je comprends, comme aussi, donc, il doit avoir cette qualité en chimie, ça c'est indispensable. Non, je peux pas. Non, ils aiment, on est en chimie. Donc, vous avez choisi la spécialité, parce que quelle est spécialité, peu importe ce qu'on y prend, elle se base sur la chimie. Quelle est avancée technologique, quel est développement, elle se base sur la chimie. Je dois avoir une curiosité, je dois avoir un allège. Déjà, on parle comme ça. Gain à la densité, d'accord? Gain à fond l'existence et traite malement. Si je peux donner un exemple à Kabul, je parle comme un truc basique et simple, je peux faire quelque chose de magnifique. Le truc qui est magnifique, c'est un insecteur Sahara. Ou un ligne certaine fois, ou là, je suis dans la vie. Mais l'évaporation de l'masse et tout ce qui est ici, une petite couche de huile, d'azide. D'accord? Alors, avec la petite couche d'azide, à ce moment-là, il y a un petit jardin. D'ailleurs, il y a couche d'hydro. Il y a quelque chose qui est couche d'hydro. Le petit jardin fait le foire, fait jouer l'azide pour éviter l'évaporation de la matière. Alors, toujours aller. Donc, c'est des trucs simples, basiques. Les un an, je peux être curieux, fiant. Les mêmes bêtes, je vais devenir quelqu'un d'innovant, quelqu'un de. Passons au deuxième point, les hauts qualités d'un chimiste, travailler d'équipe. Donc, est-ce qu'il y a un souci, Imad, ou là? Très bien.
لي بروبليم اللي فهمتو جوست كومونتير برك ما تقدر تكمل لوتر ايدي. خدام alors travail d'équipe. Vous savez qu'on a la belle comme parmi les qualités d'un chimiste, c'est travailler en groupe, travailler d'équipe, en équipe plutôt. Alors, à la chaîne, il y a parce que peu importe où il y a des mots, parce que c'est la base, peu importe où il y a des mots, peu importe où vous élaborez, peu importe le mode de l'mohata, il y a un chimiste, d'accord. Donc, un informaticien, il dit qu'il y a des mots. Donc, déjà, je vais travailler avec un informaticien. Il y a un processeur. Il dit qu'il y a un autre, il y a une chaleur de تاع حوايج تاع سبور باغ اكزومبل يجي يقول لي عندي نسحق تال بول ولا لازم يكون هكا لازم يكون هكا دونك الى بزوان دا شيميست يجي جو سي با تاع طاسه تاع فراشات ولا وي باسكو توس ايزون بزوان دا شيميست alors ce moment là je vais être en contact avec différentes personnes à un moment donné la qualité derrière du travail en équipe c'est quelque chose de nécessaire je vais pas travailler toute seule c'est une complémentarité je vais travailler avec les physiciens je vais travailler avec des informaticiens je vais travailler avec spécialité X personnes donc elle me dit je travaille en équipe oui je sais travailler en équipe non donc est-ce que les personnes qui très de marrant c'est tes amis je dis non oui à ce moment-là, c'est pas travailler en groupe. Travailler en groupe, c'est que avoir des idées différentes. Donc, je travaille avec CPN, je travaille avec Tshab AC, je travaille, c'est des chimistes aussi, mais on a des idées différentes. On a des mafahim, on a afkar, mutaadida. Donc, une idée sera problème. En étant chimiste, je dois proposer ma solution avec un biologiste. Moi, je trouve des paramètres, on ajoute d'autres paramètres. À ce moment-là, je n'arrive pas à faire la rigueur. La rigueur, elle est laissée dans le delta en rouge. Notez comme un exemple simple. Alors, Imad, prenez-vous, est-ce qu'il y a des soucis? Imad? Non, c'est très bien. Je te pose la question, parce que je vérifie est-ce que je suis ma'akoum ou là. Très bien, à la rigueur à l'âge. Parce que déjà, quand je suis en train de cuisiner, quand j'ajoute une certaine quantité, le maquillage d'ali t'as le mal, soit j'ai mal, soit j'ai une sauce. Alors imaginez, je suis en train de travailler dans un laboratoire, t'as un médicament, je suis en train de fabriquer un médicament, il a de mari, il a de il chope. Donc, alors je ne vais pas vous dire qu'est-ce qui va se passer. Si un ayant une foot avec la dose, mais il se tourne. Milligrammes, hein. On parle de milligrammes, on a fait le médicament, ou là, on a un laboratoire de traitement des eaux, juste une certaine concentration d'un cation, ou d'un élément chimique X, et on a fait le filmateur, et on a fait des eaux, juste la population, ou il charbonne. Donc, je dois avoir une certaine rigueur, pas par rapport à ça, mais par rapport à ce qu'on m'a dit. On a fait une formation sur les BPL, donc pour moi, HSE et BPL, c'est indispensable pour un chimiste. Les amis, ils font. Parce que des fois, quand il y a un cheveu brûlé, il peut être une impureté. Mais il peut être une impureté. Peu importe les paramètres extérieurs, ils sont très importants. Il peut être trouvé sur la matière qui est une telle à faire. Donc attention, attention. La rigueur, ils aiment pour un chimiste. Alors pour finir, je m'impose. En chimie, il faut être très polyvalent. On touche à plusieurs domaines, la physique, la biologie, les mathématiques. Cela permet d'élargir ses horizons. Très bien. Alors, s'il n'y a pas de souci, on passe à la diapo suivante. Oui, très bien. Très bien. Travail d'un chimiste. Alors, mettez bien tout ma colorie. Il y a comme deux photos, normalement. Assurément, il y a quelque chose de diapo terrible. Un écolier chimiste et Robin Tredin laboratoire. Est-ce que oui ou non? Est-ce que c'est vrai? Et bien, vous répondez en même temps, est-ce que c'est oui ou là non? Pour vous, un chimiste, il y aura directement un laboratoire. Et bien, je réponds par non. Un chimiste, il y aura un laboratoire. Un chimiste, il y aura aussi un terrain. Un chimiste, il y aura aussi un bureau d'études. Alors, un bureau d'études, c'est quoi? C'est les personnes qui étudient les je crois, au bureau d'études, hein, maktab dirasat, taouch, ta, sachez que tout laboratoire, il y a une étude. Donc, je connais l'héros. D'accord? Il y a un laboratoire, ta analyse ou le traitement ou l'indi, une boîte pharmaceutique, à ce moment-là, je n'ai pas d'accord, ils ont mis juste
على دراسات هذوك دراسات شكون يديرهم ان بيولوجيست ان شيميست يقراو لي روجي يقراو شرحين في البركو يعني كيسك يونتيزي كيسك نيفون الابوري يعرفوا هادشي كاع دونك ان شيميست يخدم في بيرو ديتود بيرو ديتود تيبو يعني نوصفه لكم بيا سي بي سي ستيلو ورقه وسوري كو لو لابوراتوار اسكو ني داكور عماد تري بيان يقدر يخدم اتولي دو برودكسيون يعني يقدر بلاصتو ما تكونش الفوقه في لابوراتوار مي او كونترير لتحت في لابرودكسيون يقدر aussi يخدم في التيران اي التيران يخرج ان سيتو يخدم يبرون دي زيشانتيون وعندهم دايور هذيك لا فاليز تاعهم ولا و يبرون دي زيشانتيون هكا تما دونك ما تقولوش لابوراتوار برك بوان شيميست است كون اي داكور قولي برك است كون اي داكور نزول لي ديبوشي انا كي عرفت بليك بلاتي ماشي غير في التيران وماشي غير في لابوغاتوار وماشي غير في بيرو ديتود جو بو اتر بارتو هنا حبيت نقول لكم بليك صح فو بوفي اتر بارتو نقدر نكون في لا برودكسيون نقدر نكون recherche et développement, je vais expliquer tout ça. Logistique, sécurité, qualité, marketing. Bon, production, comme la production, il n'y a pas de souci. Normalement, elle dit le format. Elle a bali, elle a bali, elle a une certaine quantité, une certaine poudre, hagda, je me dis, le maziada, la concentration, zamat al-halib, donc elle a les quantités. Ce n'est pas parce qu'on a pris tout le cas en chimie générale, concentration et tout, elle a balé des éléments avec le halib, il est dilué. Maintenant, je vais acheter le halib. Bon, je sais que la plupart d'entre vous ont déjà préparé du lait avec en poudre, mais juste citron, des rofda. Il y a la concentration, il y a aussi le sucre. Très bien, donc production, c'est la même chose. Donc, une boîte pharma, c'est la même chose. Recherche et développement, comme l'élaboration de toute matière, et juste à un chimiste. Il y a un chimiste qui connaît tellement. Donc, il innove. À chaque fois, il y a un chimiste. Dernièrement, il y a un microprocesseur. Dernièrement, il y a les polymères. Il remplace les solutions par les polymères ou la bascule. Et dans d'autres propriétés. Donc, tout chimiste va donner son idée. Il permet le développement de la technologie et tout ce qui suit. Logistique. Très bien. Alors, logistique. Je m'en ai logistique. Je travaille dans une charika. Dire des médicaments. Très bien. Ou là, dire des médicaments. Je préfère bien dire des médicaments. Je connais dire la liste des achats. C'est un chimiste. Donc, on a un coup de l'IWAHED, on a un coup de l'OCHOF, ou CHASNA, ou CHASNA, ou CHASNA. Ok. Mais on a un coup de l'OIFM. Zama, par exemple, on a un SHAQ formaldehyde, un SHAQ CH3COH, un SHAQ benzène, un SHAQ méthanol, méthanol, et tout ce qui suit. D'ailleurs, Zama, la responsable de la production, il dit à la logistique. La logistique, il fait. C'est un chimiste, il peut s'occuper de ça. Quand après, il dit une liste, il va établir une liste. Elle est belle déjà. Mais je suis n'importe quoi. Je suis tout à n'importe quelle personne, tu es l'homme de n'importe quoi. Responsable, les rois, il va faire avec la liste, ben je suis l'homme de l'industriel ou de la charika. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Très bien. Alors, sécurité et qualité, c'est clair. Hadia, je roule bien. Mais je m'y rêve ça. Sachez que mais je m'y rêve ça. Tête, bras, cheveux, bras, lèvres, sourire. Il y a sécurité et qualité. Mais il a quelque chose sans l'analyse dialogue. Mais il a quelque chose un pot de yaourt. Analyser ouais. Et je connais. C'est des chimistes aussi. C'est des responsables de qualité. D'accord. Alors, marketing, très bien. Qu'est-ce que le marketing? Marketing, c'est quoi? Technique, les gens vont savoir qu'on travaille dans un groupe et tout. Ils connaissent un physicien, un chimiste, un biologiste et tout. Les gens vont l'afsa d'y aller. Qui n'est pas l'afsa d'y aller, les gens vont savoir les propriétés de ça en étant chimiste. D'accord. مانيش نهضر على البيع والشراء هنا دونك هنا كان جو بروبوزي مون برودوي جو بروبوزي باسكو اي بيرفورمان باسكو لا تمبيراتور تاعو زعما البي سي زعما باغ اكزومبل يشوف با بزاف كيقول لي علاش يشوف با بزاف نقول له علاش اي كونستيتوي دو كوا داكور
est-ce que fahmna لازم يكون على بالي واش فيه كوم اليمون ولا كوم ماتيير est-ce qu'on est d'accord juste Yasmine mais c'est هضر على ماركتينغ اسك فهمت باسكو هي ديجا قبل ما توصل ليها هضرت عليها وموسى بون Très bien. Il y a une autre question. Vu que tu as parlé de l'industrie, Amina dit, c'est quoi alors le rôle d'un étudiant en GP de l'industrie? Ah, très bonne question. Très bonne question. Si je peux me permettre, sincèrement, on a les procédés, donc on parle du monde, c'est les méthodes, c'est le produit quelque chose. Je dis que le chimiste, il va prendre la place d'un GPiste, d'accord? Le génie chimique, il fait le test de la production. Le chimiste, il fait généralement le laboratoire. La différence, c'est que le GP, le GP, il trouve des méthodes d'élaboration, d'autres méthodes d'élaboration. Mais ce n'est pas lui qui est responsable d'élaboration de ta matière, mais la base. Donc, le procédé, il y a tariqa mo'ayyana pour optimiser le truc dialogue. Le produit tag, tu vas élaborer, peu importe la société tag. Généralement, les chimistes, bon, j'ai trouvé une personne qui a été dans le laboratoire, j'ai trouvé des chimistes, carrément. Donc, il y a un chimiste les chimistes car donc t'as déjà le génie chimique ou chimie presque la même chose mais c'est complémentaire tu dois chimie tu fais le GP alors je peux te l'expliquer au moins il faut des procédés meilleurs pour une bonne élaboration d'accord élaboration égale le chimiste au moins il faut des méthodes pour optimiser ou là pour perfectionner l'élaboration d'ac Est-ce que ça me donne Juste qu'il y a une question. Il y a une question. Il y a une question. Il y a une marketing et sa relation. D'accord. Marketing, je comprends. Ma chimie, pour moi, vraiment. Alors, très bien, marketing. Donc, très bien. Je dois vendre quelque chose. J'ai élaboré quelque chose. J'ai élaboré un certain médicament. Ou je dis à ce moment-là qu'il y a un peu de gens. Il y a un peu d'autres organismes qui ont été mis en place. À ce moment-là, les amis qui ont été un chimiste, il y a les propriétés ou l'élément constituant avec le principe terre. D'accord. Donc, on a les flatim, les trahtibir, mais on a bien ouvert qui m'a fait le hanout. Non, pas du tout. Mais qu'il y a des choses, les vrais mots, ils marchent, ils les expliquent. Donc, on a qui n'a pas joué le PC, on a qui n'a pas joué le PC, bac. Mais ça, puis, quand je dis avec le PC le souk, après, vous allez comprendre. Je ne veux pas m'étaler sur les semi-conducteurs et tout. Parce que. On est en chimie, elle est un semi-conducteur et non pas un autre. Je vais parler de tout ce qui est gap, de tout ce qui est énergie. Je préfère pas trop m'étaler, mais oui, oui, il est responsable de ça. Il est responsable, comme si il est à la bouche, il a élaboré pour qu'il puisse le vendre. Donc, on a un indice, peu importe la personne, X ou Y, il est chez les gars ou là. On peut la dire, il y a de la chérie, il y a de la chérie, possible parce que oui il ne sait pas en vérité c'est quoi un fluor c'est quoi un silicium c'est quoi c'est ça à peu près je sais que c'est pas mettre beige bizarre parce que marketing ou le funéra qui m'a mis dans une chauffeura mais oui un chimiste marketing ok mais okay? Juste que madame au bel matin chez moi ça c'est quand même le sujet d'investir à dort de ham les gens procédés ou les dortahan le laboratoire. Laboratoire, les GPs. Ah oui. Les GPs. Très bien. Très bien. Alors tu parles d'un laboratoire d'analyse et contrôle, et ben le rôle c'est analyser et contrôler, tout simplement. Même biologie, ce qui est devenu laboratoire. On en
analyse et contrôle, tout simplement. Maintenant, il a tourné à un laboratoire de recherche et développement. Non, c'est pas la même chose. Parce que là, je redis que c'est un travail d'équipe. Si un an, en étant chimiste, je vais élaborer quelque chose de nouveau, il va optimiser. Juste un petit truc, si tu permets, Zeynep. D'accord. Dans la partie marketing, je vais juste donner un exemple. Étant étudiante en chimie des matériaux, j'aimerais juste donner un exemple parce que là, il y a un étudiant qui a dit que c'est une sorte de présentation approfondie du produit. Bon, j'aimerais donner un exemple. Quand on va comparer, Kain Dhab ou Kain Lfodda, on sait que Dhab, il est plus cher que le fodda. À l'âge, ça a des relations avec, par exemple, les propriétés, la valeur, l'extraction terre, qui fait tendal et tout ça. C'est ce qui fait qu'un matériau, il peut râler à l'ordre. Donc, l'implication d'un chimiste dans le domaine du marketing, qui m'a dit l'exemple de le PC, c'est-à-dire un adocan djinkolo, voilà, un des cadres semi-conducteurs, la composition terre, c'est X, Y, Z. Elle est meilleure, elle est plus économique et plus performante. Donc, je suis en train de proposer quelque chose qui à la fois fait gagner de l'argent à la société et qui augmente la performance. Contrairement à d'autres, par exemple, des PC qui chauffent trop tôt ou là, les fils de Tim Tam, etc. Est-ce qu'on a compris? J'ai compris. Et les autres? Oui, très bien. Alors, Kimelo? Alors, la diapo Hadia, slide Hada, c'est juste pour, en quelque sorte, donc un chimiste, on peut les chimistes, on peut les retrouver dans les industries, ou l'institution d'enseignement, les organismes de recherche, comme recherche et développement, entreprises, guerre entreprise, un chimiste, et les laboratoires, bien sûr. D'accord, donc je pense qu'il n'y a pas de souci, juste pour résumer et tout. Eh bien, passons au domaine où l'on peut rencontrer les chimistes. Pardon, très bien. Ça me relie. Alors, où l'on peut rencontrer les chimistes. Est-ce que vous voyez déjà la diapothèque? Domaine où l'on rencontre. Comme elle est partout. La chimie, elle est partout. Non. Le domaine, il est impossible de trouver un chimiste. Je vous défie, je vous dis que je ne sais pas. Je vais vous trouver l'agroalimentaire, l'alimentaire, les textiles. Je dois avoir les baskets, tout ce qui est basket, tout ce qui est voyage de sport, tout ce qui est mine, tout ce qui est clavier, collège, ils ont un chimiste. Donc, un chimiste, il est partout. D'accord. Donc, si je peux vous lire quelques arômes, automobile, bainahadi, biotechnologie, métallurgie, nous avons même le sable béton, nous avons une chimiste à la cimenterie, nous avons un chimiste cosmétique. D'ailleurs, nous avons une spécialité de chimie, mais qu'est-ce que je veux dire? Bon, je ne sais pas, mais nous avons une chimie des produits cosmétiques. D'accord, nous avons l'environnement, nous avons l'énergie, nous avons l'informatique, nous avons besoin de PC, nous avons plein de parfums, plein de fleurs. D'accord, nous avons un traitement. La police scientifique, criminalistique, le bâtiment, le transport, yani, un chimiste, le kawa, partout. D'accord. Est-ce que d'accord, Ahmed? Avec mécanique, est-ce qu'il y a une mécanique? Très bonne question. Alors, Arf Blik, tout ce qui est mécanique, on dit mécanique. Mécanique, il y a quoi un chimiste?
ça dépend au chemin, mais qu'il y a une arme de besoin, qu'il y a la spécialité génie des matériaux. On a chimie, on a chimie des matériaux. Je ne parle pas. Donc c'est complémentaire. هما وحنا كيف كيف لا ديفيرونس بيناتهم سي كو صحاب جيني ميكانيك واش يقراو سي يقراو لا فورما ديغ يقراو لي بروبريتي وين يستعملوا هذيك لا بروبريتي في الدومين تاعهم مي جوز على شيميست هما يسحقوا بولون ما يتصدقش يروحوا على شيميست يقول لهم يسحق بولون ما يتصدقش اسكو ني داكو اسكو يا دوتغ دومين ايونوتيك هذاك كاين فيها الو لا ايونوتيك لا لا يلزم تقشفهم بارتو il y avait une question tout à l'heure, il y avait une personne qui a posé la question, quelle est la différence entre chimie des médicaments ou chimie, déjà je passe aux branches de la chimie, quelle est la différence entre chimie des médicaments et chimie pharmaceutique? Bon, c'est la question, je préfère que ceux qui vont présenter chimie des médicaments, ils vont éclaircir le point, c'est mieux. D'accord, باش نحيام طريقه دا وين تفكرتها. Alors les branches, principalement, هكا باش نكمل, principalement les disciplines de la chimie les kain, l'équipe d'aide c'était chimie organique. Chimie. Alors organique c'est tout ce qui est chimie le carbone ou inorganique c'est tout ce qui est loin du carbone ou biochimie c'est tout ce qui est avec كائنات الحية والكيمياء معها. Après, ils ont d'autres spécialités pour faciliter la tâche, pour faciliter l'étude. Dans le sens où une branche de chimie environnementale, déjà, on peut dire à plusieurs. À côté de ma j'espère. Oui. Très bien. Alors, environnementale, on peut dire à chimie de la pollution, par exemple. Chimie des eaux, chimie de la terre, chimie de l'air. Donc, il y a pas mal de cas, de plus en plus, des spécialités, les amisido, pour se spécialiser, je ne sais pas si c'est le domaine où on a fait. Chimie inorganique aussi, chimie physique, tout ce qui est par rapport à la forme et tout, théorique aussi. Théorique, c'est parmi les spécialités les plus intéressantes de la chimie. Il y a d'autres, il y en a pas mal, gays, c'est intéressant, analytique, tout ce qui est solution. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que la chimie, elle est partout. C'est vrai qu'il y a mazal, mais j'ai besoin des spécialités, parce que j'ai besoin des spécialités. Donc, les spécialités, ils jouent à l'innovation. Par exemple, il y a une chimie des matériaux, donc il y a une chimie des nanomatériaux. Il y a des polymères, après il y a une... Il y a pas mal de branches qui disent que ça existe pas. Il y a une chimie des produits cosmétiques, il y a une... Ça m'a dit, mais quand je suis d'ailleurs, donc je connais pas mal de personnes, ils aimeraient bien le quinquennat. Sur ce, je vous dis, si vous avez des questions, je ne sais pas combien j'ai pris du temps, j'espère que ça a été un plaisir. Bon, je compte pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Oui, Iman, s'il te plaît, s'il y a des questions là. Très bien, les questions, les demandes, je vais vous donner un peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions à vous apporter pour vous? Oui, je vous prie. Oui. Alors, 82. Merci beaucoup. Il y a une question. Est-ce que biochimie, 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 alors, biochimie, عندنا une biochimiste معنا في الكلوب et تقري بيولوجي. تقري بيولوجي après, normalement, si je me rappelle bien, L3, on va dire la spécialité en biologie. Alors, les spécialités, le master, si je peux répondre, les journées à Jaya, normalement, on a posté. S'il y a des formations dans le domaine de chimie en institut sur H, je n'ai pas trop d'histoire. Aucune idée, Manel. Aucune idée. Ok, question, Manel, Boudrebal, ici. S'il vous plaît, je voudrais savoir s'il y a des formations dans le domaine de chimie en institut sur AG. Je n'ai pas à trouver. Très bien. Déjà, aucune idée, sincèrement, je dis les formations en chimiste. Juste allé une fois, mais je ne me rappelle pas. C'est oui, je dis les LTS, c'est ça, mais aucune idée. Je ne peux pas, il y a une dynamique flora. Alors, Nihal, est-ce que vous pouvez répéter par rapport à la mécanique et génie des matériaux? Très bien. Bon, j'ai donné juste un exemple par rapport. Quand on est là-bas, on élabore les propriétés.
وداك ميكانيسيان بون ماشي اللي يقرا ميكانيك با امبورط واش يدير يسحق ان شيميست باش يدير لا ميكانيك ديالو دي كومبليمونتير pour simplifier parce que après vous avez une présentation concernant toutes les spécialités تعباب زوار donc stay tuned هذا واش حبيت نقول لكم même pour les personnes qui sont en train de poser des questions par rapport au master هذا الويك هذا كاين كاع لي ماستر اللي كاين باب زوار غادي ميو كومبروندر انا جو مسوي جوست كيفاش نقولوا كونسنتري سور لا شيمي ان جينيرال اي جينيرال باش تعرفوا اي تو واش نتاني زعما انا مازال ما حبتش s'il vous plaît, je voudrais savoir ce que je peux faire. Ce que je peux faire avec une licence en chimie et fondamentale. Très bien. Devenir un laborantin, déjà. Ça, c'est faisable. Parce qu'à l'âge, les licences, si vous voulez, ou si vous pouvez me rectifier, les licences, c'est comme un technicien. Donc, être un laboratoire d'analyse et contrôle le plus normalement du monde, parce que déjà, on est la base. Vos avis concernant les formations des produits cosmétiques. Alors, Khadija, si je peux donner mon avis, ça dépend, je connais dès la formation. Si c'est un chimiste, si c'est quelqu'un qui a voulu faire un produit cosmétique ou il a lancé sa start-up parce que chef des vidéos sur YouTube, c'est ma chérie, Anna pour moi, non. Je le dis, Annie. Parce que, à la chaîne Rollhouse, parce que pas mal de personnes, ils lancent leur start-up qui n'ont rien à voir avec la chimie. Donc, ils vendent leurs produits, ils n'ont rien à voir avec Omarikolik Homemade ou Naturel et Bio. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà tout ça. Est-ce que le produit TEC, Rahou, il s'analyse même pas? Des lois analyse et contrôle. Oui, les startups. Khadija, je tiens à ma frère, un reportage parce que j'arrive pas à voir. Les startups, si c'est la formation, il dirait qu'un chimiste ou la toute personne. Une formation privée très chère. Je fais, je connais dès la formation. Si ça vaut la peine, je te dis pas non. Quand je sais de quoi quelqu'un est pas cher, mais aucune idée. Mais je le travail était cette année. Est-ce qu'il y a d'autres questions, justement, Emma, s'il te plaît? Zeynep, s'il vous plaît, un étudiant de chimie des matériaux, il peut donner la spécialité en master. هو واش راهو ال3 ما دار والو ما استاذ كوستي قول لي قبل كيلاني راك وي ال3 الوزينه بزينوبا راكي ال3 وي راك قراي قبل بون نقول لك وي اي نو تو ديبون دونك اذا انت كنتي باغ اكزومبل لونيفرسيتي تاعك بومالداس تري بيان الوزينه نعطيك انا اكزومبل كانت اون بيرسون تقرا شيمي اورغانيك لا يو سا ليسونس اون شيمي اورغانيك في بليدا جات في باب زوار لا شونجي لا سبيسياليتي دونك اسكو سي فيزابل بور تو الموند جو سي با ما نقدرش نقول لك وي ما نقدرش نقول لك نو كونت اسكو نديرو لي سبيسياليتي سوا شيمي سوا فيزيك بور لي اس ام اون ال 2 اس 2 نو تقراي ال 1 اس ام ابري خلاص دوكا كي خلاص العام يعطوك اون فيش داسكريبسيون بلامزي يا زينب اني قلت لك كي شوفي كي بروميير اني شيمي معناها راكي ال 2 D'accord. Licence, c'est à 3 ans. L1, L2, L3. L1, travail tronc commun, il y a SM. Après, en L2, tu vas choisir ta spécialité, il y a soit chimie, soit physique, soit géophysique. Maman, tu as fait le test de la carte, tu as fait la fiche, tu as fait l'insécurité de la chimie et la physique, les choix de la carte. Bon, Anna, je pense qu'il connaît en première année, on s'est inscrit une choix de site. Une autre question. Je pense qu'Annie, c'est une de la question. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez activer déjà. Bouchra, est-ce que il y a des mots acceptés plus de chimie, on dit chimie fondamentale. Oui, qu'il y a plus de chimie, on va répondre à la question. Je choisis la chimie.
كاين شي مدير في شي ويه فوندام كارس فيوس تاعتي تقرب لي من فوندام كارس ما صدا دير لي سبيسياليتي تاعك Alors Amina, je suis en première année ST, حرت بين شيمي و جي تي, ما على باليش كاين لا ديفيرونس بين لي دو سبيسياليتي. Très bien. Alors sincèrement, je peux pas t'influencer يعني sur le choix. شوف انت واش راكي حابه ديري sincèrement. قلت لك انا كنت ST, après درت جي بي, après درت transfert chimie. علاش درتها؟ Tout simplement parce que une personne m'a convaincu. C'était un prof les calés voilà chimie maintenant après quand j'ai fait le transfert la petite m'a dit ça va être quand elle a fait le transfert je peux faire donc elle a dit que la baby ça rit je suis comme ça raha yani qui a dit chimie je peux pas te dire chimie ou GP ou une autre من اخرى la différence بين اتون كاين une différence انا قلت لك من قبل قلتها واخا élaborer bon واحد procédé tu vas t'occuper que des procédés après ma crée de GP باش نقدر نقول لك exactement les études تاعها واش يكونوا côté travail j'essaie de répondre à la question تاع كيفاش راهي côté études قلت لك انا ما قريتهاش باش نقول لك la différence mais côté travail نقدر في بلاصه جي بي نقدر نخدم يقدر يخدم في بلاصتي مي سا ديبون تاني لو travail d'accord لقيت دي بيولوجيست يخدموا في بلاصه كيميست لقيت مي par rapport à l'analyse et contrôle بصح في الريشيرش ديفلوب impossible. باش اذا كون قادرين تشوفوا مي ان شيميست راه سان شيميست واحد يدير دو لا ريشيرش مي في الخدمه اناليز اي كونترول فيزابل يعني سي فو بلي نوت كيسيون كيل سون كونديسيون باش يقبلوا ان ستوديون او اي سي اتش بي في ديبارتمون تاع شيمي انا جو بونس ديجا سي ديجا جو بونس كو لا موين داكور فيها دريا شويه مي باسكو العام اللي فات سيتي لو سيت Donc, sincèrement, s'il y a une personne, elle s'y connaît Fatshi, maintenant je ne sais pas quelles sont les conditions. Ou là, les critères, non pas les conditions. Je préfère aller. Alors, il faut se déplacer à l'administration. Ce n'est pas quelque chose qui concerne les étudiants et ce n'est pas une information communiquée aux étudiants. Alors, Afnan, quel est le problème les qui est STSM par rapport au programme, il n'y a pas une grande différence. Parce que nous avons les mêmes chapitres. Ou est-ce qu'il y a des notions en plus par rapport à SM. Sinon, c'est la même chose. Par rapport à la différence entre ST et SM. Quelles sont les spécialités du Kainin Master Chimie? Alors, Aïcha Nour, j'ai répondu à cette question. Au fur et à mesure, ou je pense que c'est déjà publié la page donc qu'en gros 6 zine tu dirais au début de l'année ah Sarah قالت زينب قالت لها non لازم تجري alors est-ce qu'il y a des interventions ou là des questions encore Ayman non moi j'ai des questions pas clair je comprends déjà non non Très bien. Ok, mon mouhan a bien comme le jour de l'ouïe dans la vingt. Merci tout. Merci Zine beaucoup. Thanks. You're welcome. Merci. Thank you. Mahdi, président du club. Et merci tout. Les harmala, Lyoma. J'ai un coup de tout le monde. خاصتون شي معنا في مزانة طول الأل دو أطرواني حابين يديروا الاسبيسياليتي إن شاء الله هذه تعرفوهم تهل سمنا دي أيام دي نهضروا لكم الاسبيسياليتي كامل اللي كاينين عندنا في يستاشكم إن شاء الله راح تستفادوا معنا هيا بو كوراج ميسي